Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de finesse, quelque chose auquel je n'étais pas vraiment habituée, beaucoup de stratégie. Avant, je sautillais beaucoup, mon agilité, c'est toujours là, mais je bouge un peu moins. Je bouge, mais un peu moins qu'avant, parce qu'avant, je bougeais beaucoup sans rien faire. Je bougeais juste pour déstabiliser la personne, mais pas pour aller vraiment, en fait, alors que je peux créer l'occasion et aller. Donc, du coup, là, je travaille beaucoup sur les appuis et la trajectoire de mes techniques, en fait. À chaque fois, quand tu décides, il faut que ça suive une bonne trajectoire. Après, j'ai toujours... Enfin, j'ai une vitesse et une explosivité naturelle, puisque mon coach aussi me l'a dit. Donc, c'est déjà un avantage. Mais là, je travaille beaucoup sur mes appuis, sur la trajectoire, le tunnel, comme le coach me le dit souvent. Et surtout la concentration. Parce que j'avais tendance à très vite me déconnecter, à sortir du combat, en fait. Et donc là, maintenant, c'est ce qui m'est arrivé au monde. À un moment, je menais, en fait, 3-1. Oui, je menais 4-1, je pense. Et à 7 secondes de la fin, je suis sortie du combat. Et en fait, au lieu de continuer dans la même lancée, je me disais, faut pas que je perde, faut pas que je me prenne le coup. Et là, je suis sortie du combat et elle m'a accroché avec 3 points, elle a égalisé. Et puis c'est comme ça que j'ai perdu bêtement. Voir ce qu'elle a commencé dès le début, 5 ans, elle avait déjà eu la médaille d'or dans sa catégorie. Et elle a commencé à monter progressivement. Je me suis dit, ah, là, il faudrait plus que je lâche cette fille-là au milieu du parcours. C'est là que je me suis dit, d'accord, qu'il faut foncer. C'est difficile parce que plus elle devenait professionnelle et plus ça coûtait un peu plus cher. Bon, excusez-moi, maintenant là, avec l'avènement du gouvernement en place, on a eu quelque chose de plus. Mais au départ, ce n'était pas ça. Elle est allée jusqu'à se tordre la cheville, elle a eu des problèmes au niveau des hanches, mais c'est à mes frais. Et ce n'est pas facile, la réadaptation et le coach, tout et tout. L'infirmier qui prenait pour chaque séance 11 500, c'était difficile pour ma bosse. Mais il fallait un certain nombre de séances pour qu'elle puisse retrouver sa performance. Mais je ne me suis pas découragé.